La mer morte, la mer salée, c'est aussi un lac salé qui est riche en minéraux. Tu vois, ici il y a une petite pierre où, une fois que l'eau est sèche, tu vois qu'il y a une couche de minéraux, de sel et de minéraux. Il y a une société de ce côté là-bas au fond qui ils ont dédié à obtenir des minéraux depuis l'eau. Et ils font de l'engrais pour l'agriculture ici autour de nous. C'est intéressant de voir comme quelque chose qui cause la mort, en faisant le correct processus, nous obtenons de quelque chose que donne la vie ailleurs. Il y a des gens qui pensent que la Bible c'est un livre mort et qu'il parle seulement que de la mort de quelqu'un, de Jésus. Mais si on apprend vraiment à utiliser la Bible, à examiner, à lire, nous voyons que nous obtenons la vie et la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 5, il a dit, vous lisez la Bible parce que vous pensez que la vie éternelle est là-bas et elle parle de nous. Je t'encourage à lire la Bible. Vas-y, Jean 5, c'est intéressant.